juste un mot pour aller dans le sens du vice-président sur le fait que, effectivement, annoncé en septembre 2018 dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté, l'extension et la deuxième loi d'innovation sur les territoires zéro chômeur est toujours vivement attendue sur les territoires. Et comme il a été dit, la métropole s'est engagée avec des territoires qui se sont engagés et que voilà, on est fin 2019 et que nous sommes toujours un peu dans l'attente et l'espoir de pouvoir voir cette loi s'ouvrir et pour pouvoir y aller sur les territoires au bénéfice des personnes durablement privées d'emploi sur nos communes.